Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto dimanche 5 mai 2024. On a démarré cette semaine vraiment, c'était chaotique, ça aurait pu vraiment très mal finir, on a senti qu'on était très très près du gouffre. Honnêtement, c'est une super belle surprise, on finit super bien la semaine. On va pas se répéter, il y a eu la décision de la Fed, il y a eu les statistiques du chômage qui étaient mauvaises, mais qui sont finalement des bonnes nouvelles pour le marché. Ça reste des perspectives où on se dit que potentiellement la Fed va baisser ses taux au mois de septembre. On va aller voir comme d'habitude plutôt les graphiques. On va faire un point en mensuel. On va passer énormément de valeurs. S'il y a des choses intéressantes à dire, on s'y arrêtera. Et s'il n'y a rien à dire, on passera très très rapidement. Pour commencer, pour moi, c'est important, c'est que vous savez, dans l'intelligence artificielle, on en parlera. Il y a Warren Buffett qui nous explique que l'intelligence artificielle va être the next big thing. Donc voilà, ça commence à arriver en force. Je pense que l'intelligence artificielle peut représenter entre 15 et 25% d'un portefeuille crypto sans aucun problème parce que c'est vraiment une thématique qui peut complètement exploser dans ce bull market. Si vous avez loupé Tao Bittensor, si vous avez loupé Render, si vous avez loupé AKT, ne loupez pas ce dossier-là. C'est une très très belle opportunité. On est dans les GPU, c'est le numéro 3. Ils sont derrière Render et AKT, c'est une valeur qui vaut moins de 50 millions de dollars. Et imaginez, ça a perdu plus de 70%. L'occasion est énorme. C'est un dossier qui sortira aujourd'hui à 13h. Donc on en a parlé hier soir en exclu en flash. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Moi, Grayscale, je leur demande pas forcément d'acheter du Bitcoin, mais au moins d'arrêter de vendre. À un moment donné, ils vont bien s'arrêter quand ils auront plus de stock. Mais inattendu, voilà. Ça fait très mal depuis le début, ils vendent non-stop entre 100 et 200 millions tous les jours. Ils ont acheté pour 63 millions. On a aussi Fidelity, mine de rien, qui a acheté 100 millions. Et on a BlackRock qui boude depuis une semaine. Et on a eu énormément d'achats. Et finalement, regardez, le 3 mai, c'était peut-être ça le signal du rebond qu'il fallait repartir sur les marchés. Et c'est pour ça que depuis vendredi, un peu comme eux qui rachètent du Bitcoin, j'ai pas mal racheté les points bas. On verra si ça paye, mais je pense que racheter la peur, racheter ces derniers jours sera payant. Ensuite, ça c'est hyper intéressant, c'est Vodafone qui étudie, donc ils sont en train d'essayer de récupérer des énormes fonds, c'est en milliards, pour intégrer des wallets crypto dans des cartes SIM tout simplement. Ça peut être pas mal, même pour la sécurité, pour l'authentification et tout ça. Donc Vodafone, donc des acteurs télécoms qui viennent dans le secteur des cryptos. Pourquoi pas, imaginer un peu comme des Ledger, mais ça serait sur des cartes SIM. À voir. Mais en tous les cas, ils cherchent à lever des énormes montants. On parle de 3 milliards. Ensuite, ça c'est intéressant. On a beaucoup parlé de tokenisation. On a beaucoup parlé. La base de la tokenisation, c'est tokeniser des actions, par exemple. C'est arrivé assez tôt. Hein. Synthetix, il le faisait déjà il y a 4 ans, peut-être 5 ans. Ensuite, il y a eu beaucoup l'immobilier tokenisé. Moi, pour moi, je m'en méfie. C'est pour ça que j'investis pas dans les acteurs spécialisés dans l'immobilier, parce que je trouve que tout simplement, de manière générale, dans l'immobilier, on peut vous surévaluer des programmes, de fait que c'est tokenisé, on vous camoufle ça dans des tokens. L'immobilier, j'en achète en direct. Tokenisé, non, ça m'intéresse pas forcément, même si je comprends que ça peut répondre à des besoins. J'ai tendance à me méfier. J'ai tendance, je sais pas pourquoi, mon instinct de survie me dit qu'il va y avoir beaucoup de scams dans la tokenisation des biens immobiliers. Et ça, par contre, ça peut être plaisant, c'est la tokenisation des commodities et tout simplement la tokenisation de pétrole. Vous savez, le pétrole, aujourd'hui, il est coté. C'est pas au jour le jour. Vous achetez des futurs, une espèce de futur. Donc, vous achetez, par exemple, des barils livraison à telle date, fin du mois, fin de juin et tout ça. Et la quotité, c'est 1000 barils. Donc, pour acheter du pétrole sur les marchés, bah, faut avoir des gros montants parce que c'est par 1000. Donc, pareil, je pense que ça peut avoir un intérêt si on pouvait acheter des barils de pétrole quand le baril s'écroule ou qu'il explose. Pouvoir investir dans le pétrole via des tokens, je pense que c'est une bonne idée. Et après, bien évidemment, l'or, l'argent et tout ce que vous pouvez imaginer en termes de commodity, des matières premières diverses et variées. Et je pense qu'il y a un énorme marché aussi sur ce secteur, par contre. Je crois beaucoup plus aux commodities tokenisées qu'à l'immobilier, par exemple. Ensuite, Frentech, c'est un projet qui a énormément été vendu par énormément de youtubeurs. Il y a eu un airdrop. Décidément, en 2024, les airdrops, c'est la majorité, ce sont des carottes. Il y a énormément de, je sais pas, c'est un peu bizarre. Il y a un airdrop, on a l'impression que c'est friendly, et en fait, il y a des gros pre-sales. Là, c'est un peu pareil. Il y a eu des grosses pre-sales, et les gens qui devaient recevoir leur airdrop ne les ont pas reçus. Par contre, les investisseurs en pre-sales ont reçu leur token, et il y a des baleines qui ont vendu entre-temps, et le token a fait moins 50%.
C'est un projet, j'ai tendance à m'en méfier, qui a été pas mal poussé par énormément de youtubeurs. J'ai pas beaucoup d'infos, mais en tous les cas, ça démarre plutôt mal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Intelligence artificielle, j'en parle énormément parce que voilà, je sens que c'est là qu'il y a moyen de faire des coefficients de malade. Warren Buffett nous explique que l'intelligence peut être the next big growth industry. Désolé pour l'accent. Ça peut être la grosse industrie qui va générer énormément de croissance. Et en général, il a le nez creux à Warren Buffett. Ça confirme ce que pensent beaucoup de gens, mais je pense qu'en plus, dans les cryptos, il y a énormément de projets hyper intéressants. Charles Hoskinson, ça c'est intéressant, même si c'est pas exceptionnel, mais Cardano qui nous fait un partenariat avec Bitcoin Cash, donc c'est pas le rêve, hein, c'est pas Cardano avec Bitcoin, avec Bitcoin Cash, mais c'est déjà pas mal parce que Cardano, il n'y a pas énormément d'actualité, même si au niveau de la blockchain et au niveau de l'équipe, ça bosse énormément et tout ça. Pas de grosses actualités, peut-être que Cardano, pour dynamiser le projet, il devrait faire comme Solana, lancer des memecoins. Je suis sûr que ça marcherait en plus, à voir. Mais en tous les cas, ça continue à build. Au niveau de la map, bah finalement, regardez. Quand regardez la map en hebdomadaire, lundi, mardi et tout ça, c'était un cauchemar. En fin de semaine, c'est pas mal. On a HNT qui explose, PP, CKB, RNDR, TAO. On a beaucoup les W, WIF. Au niveau du Bitcoin, même pas mal, il finit dans le vert à plus 0,9. Ethereum sous-pondère avec moins 3,7. Comme tous les week-ends, on va passer rapidement les graphiques, mais on va prendre du recul, on va se mettre le RSI comme d'hab. Moi, ce qui me plaît, vous savez, on a besoin d'un euro fort pour un euro dollar fort pour lancer un bull market. C'est le cas à chaque fois dans tous les bull markets, vous pouvez regarder, il y a toujours un euro qui explose par rapport au dollar. Là, mine de rien, depuis ce point bas de septembre 2022, il est sur une phase de croissance et surtout il fait des points bas de plus en plus haut. 0,95, 1,04, là il vient de faire 1,06 avec les dernières statistiques. Et regardez le RSI, complètement cohérent, 30, là il a rebondi sur 35 et là il a rebondi sur 40. Donc petit à petit par palier. Et enfin ici je vois un bull flag, ça me laisse un peu comme le Bitcoin, hein. Il y a une espèce de bull flag et à un moment donné, quand ça explosera, vous verrez, ça voudra dire que c'est le bull market. C'est un très bon indicateur. Et souvent, il explose avant les marchés. Donc, au niveau du Bitcoin, c'est pas mal. On a pu enfin digérer. On est tombé à 68. 68, il pourrait descendre plus bas, pour être honnête. Imaginons, en début de semaine, on regardait les mornings lundi, mardi. On voyait une grosse bougie rouge qui tombait très, très lourde, comme ça, qui tombait sous les 60. Et en fait, c'est exactement comme ces 3 à 4 bougies. Sauf qu'elle a été plus violente. Mais regardez, ce qui est important, c'est début, fin de semaine. C'est la même chose. Donc là, on est passé pas loin du gouffre, mais on est passé, tout simplement. Des fois, c'est pas plus compliqué. Et on est toujours sur un espèce de bull flag. Maintenant, la prochaine target, c'est d'aller taper le haut du range à 68, tout simplement. Le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas assez baissé au niveau du RSI, je dirais, sur le Bitcoin. Par contre, sur l'Ethereum, regardez comment ça a bien baissé. On est sous les 60 et il a l'air de repiquer vers le sud. Au niveau de Tao, on a enfin rebondi sur les 400, ça a l'air d'être confirmé, regardez, même si c'est moche, ça mèche très très bas comme le Bitcoin, mais ça vient rebondir en weekly. On regardera bien évidemment là, ce qui serait beau, c'est de faire une clôture weekly qui vient combler, c'est-à-dire plus aussi longue que la bougie rouge là. Donc on vient de ravaler, ça veut dire que sur 2 semaines finalement on a super bien rebondi, et en général c'est très positif. Je le dis dès maintenant, imaginez, ça fait la même chose, je vous l'avais dit, ici, moins 50% de 400 à 200, on est allé faire 600, 700. Là, on vient de faire moins 50%, d'après mes calculs, on va à 1002, on va voir. Donc, au niveau de XRP, c'est toujours très très dur, très très dur, waouh, très très compliqué, mais il se bat, il se laisse pas faire. CKB rebond un peu comme Tao, sauf qu'il a l'air de faire une belle bougie de ravalement, ça fait très plaisir, parce que pareil, pas loin du gouffre. Ceux qui ont acheté à chaque fois un Tao, CKB et tout ça, il y avait des beaux achats, XRP aussi d'ailleurs. Atom, j'en parle pas énormément parce que je suis focus sur plein de dossiers, et à titre personnel, j'ai déjà une énorme position, mais je trouve juste que la pattern, elle est exceptionnelle, et qu'il est en train de rebondir sur les 40 en espèce de double bottom, et que quand ça va exploser, ça va être très violent, mais c'est voilà, c'est quasiment au plus bas, c'est dur pour les gens qui en ont depuis 2 ans, dont je fais partie. Mais voilà, je continue à garder ça. Donc Polygonmatic, c'est à peu près un copier-coller par rapport à Atom Cosmos au niveau de la pattern globalement, une grosse chute, range baissier, ça va être énorme, mais pour l'instant c'est compliqué à court terme. J'ai une grosse position,
Je n'ai pas renforcé Polygonmatic pendant cette baisse. Polkadot, exactement la même chose, c'est des dossiers historiques. Je trouve qu'il est un peu mieux que Polygonmatic et Atom Cosmos. Ensuite, ADA, ça a pris très très cher, et sur la grosse zone pivot, c'est au niveau, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois, autour des 0,55. Ça va mettre du temps, mais à un moment donné, ça va exploser, peut-être en ta séance, en allant rechercher plus bas. Chainlink, pour moi, c'est une belle opportunité en ce moment. Il est autour des, sous les 52 RSI. Stax, grosse opportunité, surtout là, elle a commencé à chuter quand c'était pratiquement aux 2. C'était une très belle opportunité, peut-être ça va continuer, on ne sait pas, mais ça a énormément baissé, on se rapproche des 52 RSI. GRT, c'est en train de rebondir, j'ai l'impression, sur les 50. KDA, pareil, ça a l'air de rebondir aussi, mais légèrement sous les 50. Océane, ça a l'air de rebondir sur les 55. DCR, ça rebondit aussi sur les 50. Ça se reproduit beaucoup, bien évidemment. Ancre, on voit qu'il est à l'aise parce qu'il a rebondi largement au-dessus, plutôt autour des 60. QNT, il a dû chercher beaucoup plus bas, autour des 43 pour rebondir. VET, il est toujours dans une espèce de chute au niveau du RSI, mais il se rapproche des 50 et il est toujours sur un bull flag. Jamy, toujours sur un bull flag, même si ça a beaucoup chuté au niveau du RSI. FTM, on se rapproche des 50 légèrement. Cello, c'est pas mal, ça a l'air de stabiliser sur les 50. Zen, pareil, stabilisation sous les 50. Sur les 50, ça a l'air de pas mal rebondir pour IMX. Render, très belle bougie, regardez. J'espère qu'elle va faire ravaler. Et on rebondit sur les 60. Ensuite, on rebondit sur les 40 pour App. App, c'est toujours une catastrophe. BNB sur une autre planète en bull flag, et c'est le seul qui est au-dessus des 70. AVAX qui rebondit parfaitement sur les 50. Les 50, c'est très classique. Fetch qui rebondit au-dessus des sur les 60 plutôt. Sur les 50 pour Flux. Phil, ça rebondit aussi sur les 50. Quantum, ça chute, mais ça devrait rebondir aussi sur les 50. Theta, ça rebondit légèrement au-dessus des 50. XRD, très très bas. L'un des RSI les plus bas, autour des 44. BAT, ça a l'air de stabiliser sur les 50. NIR, ça a bien rebondi sur les 60 et on est toujours dans un bull flag. Algo, franchement, c'est propre, rebond sur les 50 comme ici. Ensuite, GLMR, ça cherche du rebond, mais c'est difficile, on est déjà à 42. Ensuite, Klein, pareil, ça va chercher les 43. Ici, joli rebond Chili's, on voit sur le RSI. Ensuite, Flow, ça a l'air de rebondir sur les 50 aussi. DYDX, ça a l'air de trouver le rebond, mais sur les 40, imaginez, de 70, touche sous 40. HBAR, joli rebond ici, parfait sur les 50. Voilà, tout simplement. Ensuite, Rose, rebond plutôt sur les 40. Et ce sera tout pour moi. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Ciao à toutes.